Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve, on est vendredi après-midi au salon Création et Savoir-Faire et on commence cet après-midi avec Marie-Laure et une démonstration de broderie au crochet de Lunéville. C'est deux cours, bientôt un troisième normalement, qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps sur artisan.com. Vraiment sur une technique qu'on voulait vous faire découvrir et qu'on voulait, on tenait absolument avec toute l'équipe à vous apprendre sur Artisan. La broderie de Lunéville, finalement, c'est une technique qui date, qui commence quand et qui est utilisée dans quel contexte? Alors, la broderie de Lunéville, en fait, c'est la broderie au crochet. C'est la broderie au crochet, on en retrouve des très anciennes, notamment en Chine et en Inde, mais c'est en fait des broderies qui ont été réalisées uniquement au fil. En fait, le crochet, c'est un crochet, ça permet de réaliser une petite chaînette très régulière, très jolie, parce qu'on obtient un meilleur résultat qu'à l'aiguille. Et du coup, ça a été utilisé dans les broderies traditionnelles assez anciennes. Mais ce que nous, on a inventé en France, pour être un petit peu chauvin, c'est la technique de rajouter des perles et des paillettes sur le fil. Donc ça date à peu près... Ça date d'à peu près le milieu du 19e siècle et ça s'est né dans l'est de la France, à Lunéville. C'est pour ça que ça a hérité de son nom de crochet, Lunéville. Et ça fait toutes les robes un petit peu du Second Empire, on commence à en voir beaucoup. Ça a eu son heure de gloire un petit peu dans les années folles, dans les années 20, où il y a eu beaucoup de robes brodées. En fait, le fait de les broder avec une chaînette permet de garder la souplesse du tissu. Donc c'est une brodée qui convient très bien, tissu assez fluide comme le crêpe, la mousseline aussi. Donc ça a été beaucoup utilisé pour ça. Avec cette caméra-là. Oui, c'est la 6. Attends, c'est la 2 ou la 6? C'est la 2. En face, la 2. Donc ça a été beaucoup utilisé dans les années 20. Maintenant, c'est principalement utilisé en haute couture, donc en France, dans des ateliers parisiens qui subsistent. Il y a encore plusieurs centaines de brodeuses qui exercent ce métier, qui travaillent principalement au crochet de Lunéville, aussi à l'aiguille. On alterne un petit peu les deux techniques selon le rendu qu'on veut avoir. C'est vraiment un petit peu un monde à part. On est sur la broderie, mais les outils sont différents. Ce que vous allez remarquer tout de suite, c'est qu'on n'est pas sur un tambour. Le tambour, ça permet de faire des choses assez petites. Ça risque d'amimer le tissu. On est plus sur, même si c'est très pratique, on est plutôt sur de la broderie amateur avec le tambour. Alors que dès qu'on a un métier à broder, on est plutôt sur de la broderie professionnelle. Après, on peut quand même commencer le crochet Lunéville pour essayer sur un tambour. Mais c'est vrai qu'assez vite, on se sent assez limité parce que c'est quand même bien d'avoir un tissu qui est très tendu. C'est difficile d'avoir la tension que j'ai là sur un tambour, clairement. C'est difficile de bien respecter des lignes de patronage d'un vêtement sur un tambour aussi. Donc voilà, disons que le métier permet d'atteindre un certain niveau de professionnalisme. Mais on peut toujours tout à fait faire aussi des petites choses pour s'amuser en amateur avec un tambour aussi. Mais puis en tout cas, on peut commencer à faire ses premiers pas ou peut juste s'entraîner quelques premiers exercices sur un tambour. Pour tester si on aime ou pas, on peut tout à fait, j'explique d'ailleurs dans le cours comment bien installer le tambour au mieux pour que ça ressemble un petit peu à un métier et comment, parce que forcément le but c'est aussi de libérer les deux mains. C'est une broderie qu'on effectue avec les deux mains. Donc si on tient un tambour, déjà vous allez voir que très vite il y a un petit problème. Il va vous manquer une main. Donc ça, faut pas que ça fasse peur. Il y a une méthode pour le monter. On peut commencer sans, mais en tout cas, la brodeuse professionnelle travaille avec un métier à broder. Ça s'appelle, j'entends souvent métier à tisser. C'est pas un métier à tisser, je ne tisse pas. Mon tissu existe, je vais venir le broder. Donc c'est un métier à broder. C'est un métier à broder où j'ai tendu là très fortement un tissu qui s'appelle de l'organza de soie, qui est un tissu qui est très très bien pour commencer la broderie de Lunéville. C'est un tissu qu'on utilise encore beaucoup en haute couture. En fait, il est transparent et les gens me demandent souvent, pensent que c'est une espèce de base et que ça va être réappliqué sur quelque chose. Il faut savoir que souvent, on utilise des tissus transparents de toute façon en haute couture. Mais en tout cas, ce qu'on fait aussi souvent en haute couture, c'est qu'on va venir tellement broder notre tissu que c'est la broderie qui va devenir la matière et le tissu va s'effacer pour laisser place à la broderie. Donc, le fait que ça soit transparent n'est pas du tout un frein. C'est un tissu qui est résistant mais qui est transparent. C'est donc aussi bien pour s'entraîner parce que vous allez voir que beaucoup de choses se passent en dessous le métier, donc je ne peux pas les voir. Donc même si on apprend à broder plus au toucher, en pratiquant vraiment, en ressentant sur l'envers, c'est bien pour commencer de travailler avec des tissus transparents, même s'il est possible de travailler tout type de tissu. Donc l'organza de soie, c'est un des tissus qu'on travaille le plus en crochet de Lunéville.
Les matières un petit peu, donc j'ai mis quelques petits exemples sur le métier, mais c'est vraiment un mini échantillon de... Puis j'ai pu voir ton book et les différentes choses que tu as pu effectuer dans ton parcours professionnel, et c'est vrai que tu as plein de matières beaucoup plus exotiques que les perles. Oui. Tu as déjà brodé oui. des choses un peu dingues, des morceaux de plastique, de cuir, enfin de béton. De béton, oui, parce que je suis entrepreneuse en fait. En fait, la richesse qui fait la richesse de la broderie de Lunéville et qui fait vraiment, je pense qu'on jamais on serait à court d'idées, c'est qu'on brode avec du fil. On peut même faire des broderies qu'au fil. D'ailleurs, j'ai ramené quelques petits exemples. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire aux broderies, des choses assez simples. Enfin, c'est pas simple forcément techniquement, mais en tout cas au niveau du rendu et des quantités de matière, on peut faire déjà des broderies que en fil, où on va faire des broderies de petites chaînettes très fines, très régulières, ça fait vraiment un joli rendu. On peut aussi faire toutes sortes d'appliqués, de découpes, donc travailler en positif, en négatif, on peut faire des choses en fait uniquement en tissu avec très peu de perles et de paillettes ou même pas du tout, donc ça c'est une possibilité. Ça peut être une façon aussi d'adapter la broderie aux crochets de Lunéville à des vêtements un petit peu plus portables tous les jours. On peut donc voilà, on peut aussi, donc ça on est sur une broderie un peu plus classique, souvent ça permet de poser des perles et des paillettes de façon assez régulière qui va donner une fluidité en fait qu'on ne pourra jamais retrouver à l'aiguille. Même au-delà de la rapidité qu'on obtient avec cette technique de crochet de Lunéville, c'est pas juste, on ne le fait pas juste pour aller plus vite, c'est aussi en fait on n'aura jamais même, le même rendu de régularité à l'aiguille parce que forcément à l'aiguille le point va être moins encastré que si on fait une chaînette, donc les matières auront toujours un peu plus tendance à bouger dans tous les sens. Le rendu sera beaucoup, on n'arrivera jamais à avoir en fait une ligne de paillettes comme on le voit ici par exemple. Ça vraiment, même si ça met 10 fois plus de temps à l'aiguille, je défie quelqu'un de réussir à avoir une ligne bien droite comme ça à l'aiguille. J'ai décroché du décor d'autres échantillons, si tu as envie un petit peu de montrer. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a donc... Tout ce que tu montres dans les cours, justement. Oui, donc par ici, là en haut, on va avoir des poses de paillettes assez classiques dans différents sens. Vous voyez, ça, on peut faire vraiment des fonds complets de paillettes. On peut avoir des robes entièrement posées en paillettes avec des petites subtilités, des petites différences de façon dont on les pose pour créer différents effets de matière, d'épaisseur et de brillance. On peut aussi faire toutes sortes d'effets de matière avec le crochet de Lunéville. On va venir poser un petit peu les choses en relief pour créer voilà, des petits effets, un petit peu de mousse comme ça. Il y a différentes formes aussi de paillettes. On a ici des paillettes allongées qui s'appellent des barrettes voilà, qui vont créer encore une brillance différente vous voyez, selon les matières. Bon voilà, on a des paillettes là très très fantasy, ça s'appelle des... Alors j'entends souvent dire les gens dire des sequins, c'est pas des... En fait, les paillettes qu'on utilise le plus en broderie de Lunéville, c'est bien des paillettes. Une paillette c'est rond ou à la limite carré, si on dit des paillettes carrées, mais c'est surtout ça a un trou central. Le sequin a un trou en fait qui est asymétrique par rapport à la forme de la paillette. Et du coup, ça a une façon de pendre qui est différente, une façon d'être posée aussi différente. Donc là par exemple, c'est des sequins. On est sur une forme asymétrique et le trou est complètement excentré par rapport à la matière. Ça permet de poser des perles aussi. Là, on a un petit exemple ici d'un petit caviar de perles, ça s'appelle. En effet, on a des perles qui sont posées très, très serrées. Ici, on a un autre exemple de pose de perles, voilà, plus classique, en ligne, et puis en ligne un petit peu irrégulière. Vous voyez, on peut vraiment avec... jouer avec les brillances selon la façon dont on pose les perles et les paillettes. Donc, tout ça, voilà, ça c'est un petit abécédaire de points. On peut aussi tout à fait broder, ça j'explique, j'en parle plus dans le deuxième cours parce que c'est un niveau un peu plus avancé. Mais après, c'est vrai quand on est un petit peu avancé, on peut vraiment créer des effets de volume aussi en brodant des formes à part en fait qu'on va venir réappliquer en volume sur une base qui est elle-même brodée. Donc on peut vraiment créer toutes sortes d'effets de là si... je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on est vraiment sur des fleurs qui sont un petit peu en 3D. Enfin, ce n'est pas vraiment comme une sculpture, c'est plutôt comme un bas-relief. Un petit peu, Marie-Gabrielle en parlerait mieux que moi. On est sur ce niveau de volume, c'est-à-dire oui, c'est du c'est faux ça. Plat, c'est du faux volume. C'est, voilà, on est un petit peu entre les très deux. Très léger. Donc ça, c'est tout à fait possible en broderie Lunéville. Après, si on a des grosses matières à poser, des gros volumes à faire, là, c'est là qu'on interviendra ponctuellement avec de la broderie à l'aiguille. On alterne souvent les deux.
Voilà, les gens me demandent souvent aussi comment l'intégrer plus à des, pour les gens qui veulent broder des vêtements avec des perles et des paillettes. Alors c'est clair, je ne recommande pas de passer des à la machine à laver des vêtements brodés en Brédénéville. Ce qui est aussi possible, c'est de faire sur des vestes. On peut par exemple imaginer sur des vestes ou des robes, des petits galons. Mais quand même, on sera toujours sur plutôt des choses délicates ou au pressing ou vraiment laver à la main en faisant attention. Ou sinon, après, plutôt de l'accessoire. Du bijou aussi. Du bijou, voilà, il y a plein d'utilités. Voilà, nous, c'est un petit peu le parti pris qu'on a fait, notamment en faisant des bijoux, mais plutôt à l'aiguille, parce que voilà, ça permet de les enlever facilement et de ne pas avoir ce souci de machine. De souci de fragilité et de lavage. Voilà, donc un petit peu les possibilités. Donc c'est quand même une technique qui... Je vous avais parlé des choses tout en tissu et tout en fil. C'est aussi une manière de répondre un petit peu à cette demande de la fragilité de la broderie. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça peut être aussi une alternative à l'aiguille. On peut faire plein de choses en fil. Et là, pour le coup, son gros avantage, c'est d'être beaucoup plus rapide et d'avoir un rendu un petit peu entre la machine et la main. En fait, c'est un petit peu mieux de le crochet de Lunéville. C'est un petit peu... C'est un travail très artisanal, mais qui permet d'avoir un rendu aussi régulier presque qu'un travail à la machine. Une petite présentation de matière. Donc, quand je disais j'en étais là, ouais, j'ai dévié. Oui, c'est parce qu'on a montré. On est parti sur les matières, voilà, c'est pour ça que ça a dévié. Tu parlais, oui, des matières. Je disais que c'était un millième. Voilà, mais disons que les matières les plus communes qu'on va poser au crochet de Lunéville, c'est des perles et des paillettes. Enfin, des perles et des tubes. Les perles. C'est normalement plutôt des petits bonsins et encore c'est un autre type de perles. Ça j'en parle beaucoup dans mon cours, c'est tous les matériaux. Ça c'est des perles qui s'appellent des charlottes. Il y a de la perle de recaille, mais ça c'est des charlottes d'ailleurs. On devrait en offrir à Charlotte. C'est des petites perles un petit peu irrégulières qui ont une jolie brillance. Et vous voyez, ça se présente en pompons. Donc ça c'est des charlottes, ça c'est de la perle de recaille, plus classique, mais mate, donc c'est pas classique en soi. Voilà, il y a tout. Vous voyez, rien déjà que la perle blanche, c'est pour ça que j'ai pris ça. Parce que en fait, quand vous voulez vraiment commencer à collectionner les matières, vous ne pouvez pas juste vous dire « je veux un pompon de perles blanches ». Parce que des pompons de perles blanches, on va pouvoir en trouver 50. Là, vous voyez, on est sur un coloris, ça s'appelle, c'est lustré en fait, c'est une brillance qui s'appelle lustré. Là, on est vraiment sur du cristal, c'est-à-dire que c'est transparent. Là, on est sur, moi j'appelle ça du givré, c'est légèrement mat, il y a un petit aspect comme ça, bah oui, givré. Donc vous voyez, rien que on est sur trois perles blanches, les tailles sont différentes, la coupe est différente et les aspects de brillance sont complètement différents. Et on pourrait tout à fait imaginer de faire une broderie avec ces trois perles et de jouer justement sur les différents, non seulement sur les différents rendus des matières pour avoir des aspects différents, mais en plus sur la façon de les poser aussi pour vraiment avoir un éventail de possibilités. Rien qu'avec du monochrome. Rien qu'avec du monochrome, on peut avoir des rendus. On peut avoir des rendus totalement différents. Et c'est vraiment ça la grande richesse de la. Parce qu'en fait, un fil, bon, il y a différentes qualités de fil, mais si le même coloris, vous allez avoir quand même un peu le même rendu. On va faire des points différents, mais là, c'est vrai qu'on a encore plus de possibilités parce que non seulement on peut varier les points, mais on peut varier les brillances, les textures, les matières, les tailles. On peut même parler de casse-tête hein, plutôt que de choix. Oui, parce que faire des choix, c'est très très difficile. C'est très difficile. Chaque fois, tu as plein de trucs à me présenter quand on travaille ensemble sur les courses et que tu es toujours là. Oui, mais on pourrait prendre cette perle et cette perle. Elles sont toutes. Et Armelle arrive, elle dit mais c'est 5 perles roses. Je dis non, mais c'est pas du tout les mêmes. Ça n'a rien à voir. Les la brillance est différente. On n'est pas du tout sur les mêmes. Des effets irisés aussi, aurore boréale. C'est une pulvérisation qui donne. Et je pense qu'une des premières questions qu'on se pose, c'est ces perles et ces paillettes, on les retrouve sous cette forme donc, de pompons. Ouais, de pompons. Pour quelles raisons? Et peut-être qu'on peut commencer à avoir... La plupart des gens connaissent plutôt donc, les perles et les tubes. Les tubes, c'est des perles allongées. Plutôt sous cette forme-là de petits sachets en vrac. On appelle ça en vrac. C'est tout à fait possible de les utiliser, mais avant de les broder au crochet de Lunéville, vous allez devoir les enfiler. L'avantage, et maintenant on commence à en trouver un petit peu en ligne, c'est d'acheter des pompons comme ça, c'est que le travail d'enfilage est déjà fait. Et moi, tout ce que j'ai à faire, ça va être de tirer un des fils du pompon et de transférer. Il y a une petite technique de nœud, de venir transférer en fait les perles, les tubes ou même les paillettes, c'est venir les transférer sur ma bobine de travail. Et la bobine de travail, moi je suis droitière, elle va être normalement plutôt à ma gauche, c'est plus pratique. Voilà, et sur ma bobine de travail, je travaille donc toujours avec ma bobine, j'aime bien la mettre dans un petit clou, comme ça elle ne bouge pas. Elle va se dévider au fur et à mesure, je ne coupe pas des aiguillés comme en broderie à l'aiguille. J'ai en fait toutes mes matières, j'ai passé là un fil de paillettes que j'ai enfilé sur mon fil de travail, sur ma bobine.
Et comme ça, je n'ai pas à les enfiler. Donc voilà, le petit pompon de paillettes, lui, va se présenter comme ça. Un pompon de paillettes, c'est 10 fils, normalement, avec 1000 paillettes par fil. Donc un pompon, ça va être 10 000 paillettes. Donc ça semble énorme, mais je peux vous dire, quand on brode toute la journée, quand on est brodeuse professionnelle, on en utilise largement un par jour, à peu près. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de combien de paillettes on voit passer dans la journée. Ça en fait pas mal. Donc voilà, l'avantage de ces petits pompons pré-enfilés, moi je tire un fil, je les fais passer sur la bobine avec laquelle je brode et je n'ai pas à faire tout ce travail d'enfilage. Donc, et ça, c'est des pompons qu'on retrouve notamment chez les fournisseurs Langlois Martin, chez qui nous on avait fait pour les cailles artisanes, on était allé les voir et on avait fait un reportage, une interview. Donc ils ont un site qui s'appelle Perles et Paillettes, si je ne me trompe pas. Paillettes et broderie, je crois. Oui. Non, ça doit être broderie. Je vais retrouver le bon nom et on vous l'indiquera. Et donc sur ce site en ligne, en fait, puisque eux fournissent les grandes maisons et les ateliers qui font de la broderie, mais il y a toute une partie où on peut acheter des pompons comme ça de perles enfilées dans des quantités. Il n'a pas toutes ses références forcément. Il en a quelques-unes et puis. Des quantités pas astronomiques, enfin qui permettent de travailler son nom. C'est souvent un pompon quand même, donc oui. On est quand même souvent ou sur un demi-pompon, donc sur 5 000 ou 10 000 paillettes. Voilà, mais vous pour êtes s'entraîner, prête. C'est bien, c'est ça. Non, mais ça reste, c'est vrai que même un demi-pompon va être sur un prix peut-être de 10-15 euros, mais ça permet vraiment de s'entraîner pendant longtemps et de faire pas mal de choses. Les perles, en général, c'est un peu moins cher. On va être plus sur des petits pompons entre 5 et 10 euros, à peu près, pour vous donner une petite idée de l'ordre de prix. Et pour commencer, pour voir si ça nous plaît, pour s'entraîner, on a vraiment besoin que d'un pompon de chaque, à la limite. Il n'y a pas besoin, même un fil. Si des fois, il y a certains sites où on peut acheter les fils. D'accord. À l'unité, un fil de paillettes, ça va être à peu près 2 euros, 3 euros, un demi-pompon de perles à 5 euros, et on peut vraiment bien s'entraîner avec juste ça au début. Ok, il faut un crochet aussi, voilà, il faut un petit crochet. Donc j'explique dans le cours comment on peut partir d'un tambour aussi si on veut. Il faudra bien sûr des petits ciseaux. Et puis du fil, ça j'en parle dans le cours, mais il faut un fil quand même fin. Pour poser les fournitures et quand même de préférence aussi tout coton. D'accord. Donc là, c'est du DMC à broder, sinon le fil à gants est bien aussi, mais en tout cas, il faut éviter le fil de polyester parce qu'il va mal se casser et puis il risque de faire grigner la soie. Alors, peut-être que je vais plutôt commencer avec une pose de perles. Je fais tout ça avec des fils un peu contrastants. Normalement, on travaille plutôt du fil ou de la couleur du tissu ou de la couleur des perles. Hein. Là, c'est pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais faire avec des petites perles. Je vais faire avec des petites charlottes. Oups, ben voilà. J'en ai fait tomber quelques-unes. Le fil était plus court que ce que je pensais. Ben, c'est comme à l'atelier. C'est ton ça, bureau, il y a des petites plein de perles. Oui. C'est pas la première fois que ça m'arrive. On en aspire tout le temps. C'est ça. Des épingles aussi. Ça, c'est un autre souci. Là, il faut y aller quand même doucement pour éviter plus d'accidents. Hop. Donc, moi, je suis droitière, donc je vais travailler avec le crochet dans la main droite, ce que j'appelle les fournitures, donc mon fil de bobine dans la main gauche. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se travaille. En fait, là, si c'était un vêtement, là, ça serait l'envers de mon tissu qui est sur le dessus. Et du coup, mon vêtement brodé va apparaître sur le dessous du métier. Parce que en fait, ma main avec les perles va venir en dessous le métier. Donc là, bon, je sais pas, je vais faire des lignes droites, je pense. Il y a une façon donc de commencer pour pas que son fil s'arrête. Hein. Hop. Et je vais venir avec mon crochet, je vais faire un mouvement pour créer ma chaînette. Donc ma main droite, c'est l'inverse si vous êtes gauchère. Et avec ma main gauche, je viens séparer déjà les perles parce qu'il en faut en poser qu'une seule. Une par une, et je viens les amener une par une pour être prise dans mon point de chaînette, en fait, contre le tissu. On voit bien en dessous, on voit bien. Voilà, donc ma main gauche, les deux mains, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide que l'aiguille, parce qu'en fait, mes deux mains travaillent simultanément.
Et du coup, il n'y a pas de perte de mouvement à l'aiguille. Souvent, on passe en dessus, en dessous. Là, vraiment, c'est assez optimisé. Voilà. Et à chaque point, donc sous l'art, après de la brodeuse, c'est de réussir à espacer, de faire des tailles de points qui sont régulières et qui sont de la bonne taille par rapport à la matière pour avoir une pose qui est régulière, en fait, qui n'est pas un point grand comme ça où je vais avoir, bon, là j'exagère, je force un peu le trait, mais un point trop grand où du coup je vais avoir un trou entre mes perles et puis point d'après plus serré, voilà, là on aurait un rendu qui n'est pas régulier. Alors après on peut faire des rendus pas réguliers exprès si on veut avoir des effets un peu plus flouté, des petits effets un petit peu irréguliers, c'est possible. Mais si de base je veux faire une ligne de perles, quand même la règle, la normalité, ça sera de faire tous les points de la même taille. Et on est sur des variations, des fois les gens qui commencent veulent savoir est-ce que mon point il fait 1 mm, 2 mm, c'est plus subtil que ça en fait. Je ne peux même pas les mesurer, il faudrait mesurer sur 10 points peut-être pour avoir une idée vraiment de variation, mais on est vraiment sur des variations peut-être de quart de millimètre. Après, on n'est pas du tout à mesurer non plus, jamais j'irai mesurer mes points, mais c'est quelque chose qui se ressent avec l'expérience. De toute façon, je le vois bien quand je travaille sur un tissu transparent. Si mes points sont trop serrés, je vais sentir que mes perles ne vont pas se poser droit. Ouais. Elles vont se chamailler, les paillettes aussi, hein, ça ne va pas faire une belle ligne droite. Si j'espace trop, bah, je vais avoir trop de trous entre les perles. Si c'est des paillettes, bah, je vais voir le trou de la paillette, ça ne va pas être très joli non plus. Donc ça, c'est vraiment l'expérience. Donc quand on débute en broderie, alors après, vous verrez que c'est très embêtant et on n'aime plus trop le faire. Ce qu'on va faire régulièrement, en fait, et puis je le ferai à la fin, c'est qu'on va soulever son métier si on n'a pas trop de bazar dessus, ou souvent faire ce petit mouvement pratique et élégant qui consiste à se... Souvent, en plus, on travaille avec beaucoup d'autres gens en métier. On a des métiers qui peuvent faire 1 mètre, 50, 2 mètres, 4 mètres de large. Et souvent, quand on a des pièces, en général, collection de couture, on a à peu près 3 semaines pour réaliser des modèles brodés. Donc, quand on a des modèles à 800, 1000 heures de travail, on ne peut pas les faire tout seul de toute façon. Donc, déjà, le modèle est séparé en pièces de patron. Donc, je vais avoir une manche gauche, par exemple. Oui, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'on on garde toujours les tissus bien au carré. Moi, mon patron, ma forme qui va m'indiquer les limites de la broderie va être passée au fil. Ou après, même, il y a tout un dessin technique assez compliqué qui vient déposer une poudre pour indiquer mon dessin de broderie et aussi les limites de mon patron. Donc moi, j'ai vraiment mon tissu qui est au carré et je viens broder dans les limites de mon patronage. Mais je veux dire, il y a deux personnes qui vont travailler sur la manche gauche, dessous de manche. Là-bas, je vais avoir le dos de la chemise, le bas de la jupe, même à un autre étage. Donc c'est aussi important pour ça la régularité, parce que si on a une équipe de filles qui vont vachement serrer leurs perles, une autre équipe au l'étage du dessous qui vont leur mettre deux fois moins, après on va rassembler le haut de la manche ou on va avoir une manche trop brodée, une manche pas assez brodée. C'est pour ça que la régularité c'est quelque chose de vraiment très important en broderie pour avoir une uniformité de travail, parce que c'est très très rare qu'on travaille seul sur une pièce. Et dans le cours, justement, tu passes beaucoup de temps. Enfin, si on reprend un petit peu ce qu'apprend dans le cours, donc il y a toute une première partie sur le matériel. Oui. Une seconde sur la façon dont on monte le métier, métier, etc. Oui, tout à fait. Et après, sur la façon de poser des perles. Enfin, même d'abord, tu travailles sans perles. Tu montres vraiment la chaînette. La chaînette, donc le mouvement de la main. Tu la passes rotation beaucoup de temps là-dessus. Du crochet, donc travailler déjà de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Alors il y a toujours des sens qu'on préfère par rapport à d'autres, mais bien sûr après quand on brode des formes compliquées, on doit être capable de broder dans tous les sens. Après quand on a une broderie qui est toujours dans le même sens, on essaie toujours de se mettre du côté qu'on préfère. Mais il faut apprendre à broder dans tous les sens et à chaque sens va correspondre un sens de rotation du crochet et du fil, un mouvement en fait qui va être le bon mouvement dans ce sens-là. Donc ça, je passe vraiment une grande partie du premier cours à vraiment faire, même sans fil au début, vous tournez votre crochet dans ce sens-là, la rotation, la position de la main, enfin un petit peu comme quelqu'un qui apprendrait à écrire et à tenir son crayon. C'est vraiment, je passe un long, long moment dessus parce que c'est une technique qui a besoin, même si une fois qu'on chope le truc, je pense qu'on peut progresser très, très vite. Il faut vraiment avoir les bonnes bases, avoir compris le mouvement avant de pouvoir foncer. Ouais. On va dire. Ce que je te vois, c'est que tu continues à peut-être poser des paillettes. Poser autre chose, d'autres matériels. Et pendant ce temps, je vais voir si vous avez sûrement des questions, peut-être déjà, voir si vous en avez.
y a des questions ou pas du tout, pas encore? Oui. Bonjour, j'ai pas assisté au début du cours, mais j'aimerais savoir si c'est obligé d'avoir un métier comme ça. Un métier à broder? Oui. Alors oui, donc j'en ai parlé. Moi, je dis c'est ce qui est utilisé en broderie professionnelle, en tout cas parce que c'est le seul cadre de broderie qui va permettre de garantir que le tissu soit vraiment tendu à fond et que les formes de patronage soient respectées. Mais en broderie loisir, on peut tout à fait commencer sur un tambour et j'en parle un petit peu dans le premier cours pour vraiment bien le préparer pour qu'il soit le mieux tendu possible et surtout pour libérer ses deux mains. Donc on peut tout à fait commencer, si on veut essayer sans vouloir investir dans un métier, on peut tout à fait commencer sur un petit tambour. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir au niveau du crochet, vous avez uniquement une taille ou il y a plusieurs tailles au niveau des crochets? Alors, il y a plusieurs tailles. Après, j'utilise 95% du temps le crochet. Moi, j'aime bien le plus fin, le 70. En général, on utilise presque tout le temps le 70 ou le 80 parce qu'en fait, le crochet n'a rien à voir avec la taille de la fourniture, il a à voir avec la taille du fil. Et la plupart du temps, on va poser toutes les fournitures avec un fil fin. Donc les crochets épais, il y en a d'autres tailles, en fait c'est comme c'est des diamètres, c'est comme les aiguilles de machine à coudre. Donc 70, ça va correspondre à 0,7 mm. Ça va jusqu'au 120, donc 1,2 mm. Et ça va être vraiment pour faire des effets de fil fantaisie, mais c'est assez rare qu'on les utilise. Le 90, ça va être pour poser vraiment des grosses fournitures avec un fil un peu plus solide, mais vraiment 90% du temps, et on peut commencer vraiment à s'entraîner en broderie de l'univille juste avec le 70 et 80. Je les ai les autres, mais c'est très rare que j'y touche. Voilà, bah, avec plaisir. Vous voyez là, les paillettes, en général, on commence toujours par s'entraîner plutôt donc juste avec le fil, après juste avec les perles, parce que c'est plus facile à séparer. En général, on fait les paillettes en dernier parce que les paillettes, déjà, elles sont un petit peu plus dures à séparer. Elles ont un peu plus tendance à se mettre deux par deux. Et ça, il faut bien les poser une par une. Et puis, le serrage, donc la taille des points, est un tout petit peu plus difficile à évaluer que les perles parce que c'est des paillettes, vous voyez bien en dessous, c'est des matières qui se superposent. Donc voilà, je vois moins directement, comme sur les perles, l'espace entre. Là, il va vraiment falloir que je retourne à un moment pour vérifier qu'on ne voit pas trop le trou de ma paillette, que c'est bien régulier au niveau du serrage, etc. Donc voilà, en général, c'est dans cet ordre-là. Déjà, le crochet tout seul, crochet avec du fil, crochet avec de la perle et crochet avec de la paillette en dernière étape. Et puis après, on s'entraîne avec différentes tailles de paillettes. Donc là, c'est de la 5. Je dirais que la taille moyenne de paillettes, c'est à peu près 4 à 5 mm de diamètre. Les plus petites, c'est à 2 mm de diamètre. Et les plus grandes qu'on peut utiliser, on va rarement au-dessus de 10 mm, 12 mm quand même. C'est assez rare. Après, ça sera plutôt des choses vraiment fantaisie qu'on posera plutôt à l'aiguille. Donc déjà, si on s'entraîne avec de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, on s'entraîne au serrage pour les tailles vraiment les plus usuelles. Et du coup, là, je vois que tu es en train de bifurquer. Je sais pas, oui, pas trop pourquoi. Dans le cours, tu as toute une série d'exercices pour commencer à broder en spirale, en rond. C'est des... Hop. Des petits, on a des petits exercices. Ouais, c'est un exercice assez courant qu'on fait au début pour faire des cercles, des spirales, pour s'entraîner à être à l'aise un peu dans tous les sens. Par exemple, là, je ne suis pas dans mon sens. De gauche à droite, en général, ce n'est pas un sens que j'aime trop. Mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut s'entraîner dans tous les sens. Et du coup, la spirale, c'est un bon exercice. On n'a pas le choix. Faire des petits escargots. Voilà, aussi, ce que les gens sont souvent surpris de voir, c'est que j'utilise très peu les ciseaux. Je les utilise en fin d'ouvrage, vraiment quand j'ai trop de petits fils qui traînent à la fin. Parce que c'est l'avantage d'utiliser un fil de coton aussi, la plupart du temps, pour ne pas perdre de temps, ça nous arrive vraiment d'enchaîner les lignes. En fait, puis surtout pour ne pas avoir trop de ciseaux qui traînent sur le métier, risquer d'avoir des accidents dans le tissu, on coupe le fil directement avec notre pointe de crochet. Donc il y a une petite technique aussi que je me mets en cours. C'est un petit coup de main à avoir. Ça fait toujours très peur aux débutants qui ont peur d'avoir un trou géant dans leur tissu. Mais normalement, si on a la bonne base de tissu, le bon geste et le bon fil,
J'ai jamais fait de trou. Donc voilà, ça m'est pas arrivé. C'est arrivé à des gens que je connais, mais je pense que c'était ou le mauvais fil ou le mauvais tissu. Ça devait être ça. Ou la faute à... ou c'est peut-être des brutes, après je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas, mais normalement il y a assez peu de risques. Mais c'est vraiment, en atelier, c'est un gain de temps assez appréciable. Et puis voilà, on n'aime pas trop avoir des ciseaux qui traînent quand on a des robes qui coûtent très très cher. On n'aime pas trop avoir, quand on est 10 brodeuses, 10 paires de ciseaux dessus, c'est quasiment l'accident assuré. Et donc tout ça, c'est des exercices que tu fais donc, dans le premier cours, le niveau 1. Oui. Et dans le niveau 2, après, on va plus commencer à travailler sur des motifs une fois qu'on a fait ces gammes. Oui. En fait, le niveau 1, c'est vraiment les gammes. Oui, alors il y a un petit peu une partie gamme dans le niveau 2 aussi, mais avec des points plus complexes. Mais j'essaye de plus insister dans le niveau 2 sur comment utiliser, voilà, quels sont les avantages de chaque technique, comment utiliser chaque point. Voilà, qu'est-ce que ça permet de bien faire comme motif, quel va être le rendu, quel va être l'effet, quelle est la variation de brillance qu'on obtient avec, voilà. Donc c'est des gammes, mais avec un but un peu plus de création. Mais il y a aussi, dans le niveau 2, il y a aussi trois exemples de dessins qu'on fournit avec ceux-là. Des légendes, vraiment qui est un dessin technique de type d'atelier, on va dire, professionnel, où c'est un dessin assez précis qui est légendé en couleur avec les différentes matières qu'on utilise et le type de point. Donc il y a cette bordure de rose blanche, ce petit motif un peu safari. Jeanne. Oui, moi j'aurais plutôt des vagues. Vagues, ah oui, mais c'est le côté un peu. Oui, les ça couleurs. Dépend des, c'est les couleurs. Et ce petit galon. Voilà. Le petit galon que je vois bien moi réutiliser en manchette ou sur du bijou après, pourquoi poche. Pas selon, ouais, selon la finition qu'on fait, ouais. qu'on fait au dos. Exactement. Donc ça permet aussi d'apprendre, le but c'est aussi de commencer à se familiariser avec un peu le langage du dessin technique, les légendes, parce que souvent, voilà, quand on est brodeuse dans un atelier, c'est souvent, on va avoir un petit bout d'échantillon, mais il y en a un pour 30 brodeuses, donc voilà, on ne peut pas toujours se passer, donc on a un petit peu un langage de dessin technique, et on doit tout un petit peu avoir le même langage, apprendre à déchiffrer, et souvent notre base, c'est notre dessin vraiment sur, qui est reporté sur le tissu et un autre dessin sur un papier calque en général et qu'on va suivre avec un petit peu des indications de couleurs ou de légendage et on va voir, ah ben là je vois que c'est de la paillette 3 mm dorée sur cette ligne là c'est de la perle violette irisée, voilà, et on se repère comme ça, il y a un petit côté puzzle, un petit côté puzzle qui se passe. Il ne faut pas se tromper, mettre la mauvaise matière à la mauvaise ligne, ça arrive. Après, il faut tout défaire. Alors, l'avantage et le gros inconvénient aussi parfois, c'est bien pour s'entraîner, c'est bien si on a fait une erreur. C'est, voilà, vous voyez, c'est une chaînette. Si je tire sur mon fil, tout se défait. Donc, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est bien pratique. Je me suis trompée, je défais en 2 secondes. Si une petite minute d'inattention et puis je ne tiens plus en fait, le fil en haut avec mon crochet et par contre, je tire trop fort de l'autre main... 2 heures de travail. Tout mon travail disparaît. Ça rembanque. C'est ça, exactement. 2 heures de travail en général, on fait rarement des lignes qui font 2 heures de. Ou alors vraiment, faut pas aller très très vite après. Mais en général, quand même, c'est moins grave que ça. Alors une question aussi, c'est quand on se pose, on se dit toujours combien ça va coûter. Enfin, ça coûte dans ouais. le matériel. En termes de métier, plus le crochet, est-ce que c'est. Alors, c'est très variable. Des fois, on peut demander aussi si on connaît un menuisier, un charpentier. Nous, on essaie de créer un kit débutant aussi pour avoir un petit kit pour les personnes qui veulent se lancer. Mais je dirais que c'est quand même minimum 60-70 euros, même pour un petit. Et ça peut aller plus cher pour des plus grands. On peut commencer avec un tambour à broder. Le crochet, on est à peu près sur un budget de entre 10 et 20 euros selon le bois choisi, le niveau de beauté du manche, on va dire, mais c'est toujours en 2 pièces. Il faut acheter le manche et puis il faut acheter la petite pointe. Et puis il y a une petite préparation à faire pour que les deux soient bien prêts à la régler à la bonne longueur, dans le bon sens, etc. Donc c'est 2 éléments toujours qu'il faut acheter. De quoi on a besoin d'autres ? Puis voilà, je vous avais dit, un petit fil de paillettes, un fil de perles, enfin avec 10 euros de fourniture, en tout cas, on peut commencer à s'entraîner, ça c'est sûr. Et l'organza de soie que je recommande au début, on peut en trouver des moins chers à peu près. 15 et 20 euros le mètre.
Et il suffit de 50 cm, suffisent largement pour. Qui ouais. permet de débuter en broderie crochet de Lunéville ouais. Facilement et pour tout vous apporter en plus du cours. Mais on s'est dit quand même que c'était une bonne idée de, comment dire, de pouvoir travailler avec ces matières de perles et toutes ces matières un petit peu oui. haute couture, simplement à l'aiguille. Choses. Puisque ouais. c'est aussi des choses que tu fais quand tu es. Oui, tout à fait. On alterne les deux. Le crochet et l'aiguille, ça se répond en fait. Il y a vraiment des. Ça va être mieux au crochet, puis certaines techniques qui vont être mieux à l'aiguille. Donc on alterne les deux pour avoir un maximum de possibilités. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de développer ces. Enfin, de vous proposer les trois broches. Alors on les porte là sur. Peut-être mieux c'est de les enlever. Ah oui, mais pour pouvoir les montrer à l'écran. J'avais oublié que j'en avais deux sur moi. Hop! Je ne sais plus à qui je l'ai piqué d'ailleurs, elle doit me chercher. Alors, elles sont juste ici. Comme ça, ce sera pas mal de les voir. Vous les retrouvez de toute façon en D045 dans les vitrines. Si vous voulez les regarder de près. Et là, l'idée, c'est vraiment, on a travaillé avec les mêmes matières ouais. que celles du cours. Mais cette fois-ci à l'aiguille, et il y a comme ça des jeux de Il y a des paillettes, des paillettes en plus vraiment haute couture qui sont texturées. Il y a des pierres fines, des perles de rocaille qui viennent d'un pompon, mais voilà. Naise, il y a plein de choses qu'on utilise en broderie haute couture, mais qu'on a voulu rendre un peu plus accessible aux débutants. Et là, on retrouve tout dans le kit. Ouais, il y a même le mini tambour trop mignon. Et de quoi faire les finitions au dos ouais, pour que vous ayez vraiment un bijou finalisé simplement des exercices. Ouais. Enfin, des petites gammes, c'est bien de faire ça. Alors après, si vraiment on veut progresser en crochet de Lunéville, il faut passer par un moment de gamme. C'est ce que tu ça, c'est sûr. On peut en faire quelque chose de joli. Après, on peut faire tout dans les mêmes gammes de couleurs. On peut faire des jolis petits rectangles ou des petits carrés tout en de la même taille. Après, ça peut être un joli objet. Mais c'est vrai que si on veut se perfectionner, il faut quand même passer par cette phase un petit peu ingrate d'entraînement. Mais si on veut faire tout de suite un petit projet un petit peu joli avec des matières vraiment inspirées de la broderie haute couture, on peut aussi se faire un petit bijou. On peut faire les deux. Pour débuter, il y a toutes ces options en tout cas. Ils sont 35. C'est un kit pour une broche à 35 euros. Avec le cours vidéo, il y a vraiment un pas à pas inclus. Oui. Oui, complètement. Oui. Oui, bonjour. Alors on est artisane, on fait des cours en ligne, vidéo, qui sont accessibles partout. Vous avez un compte sur Artisane, vous achetez le cours et vous pouvez le regarder à votre rythme quand vous voulez et vous entraîner chez vous. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de cours en tout cas en vrai. Mais les gens se lancent chez eux et c'est l'avantage pour tous les gens qui ne sont pas à Paris, notamment, pour pouvoir se lancer. Et vous avez moins 15% jusqu'à la fin du salon sur le pack niveau 1 et 2 sur le site internet. Sur le crochet de Lunéville, tout à fait. Avec plaisir. Donc voilà, c'est un petit entraînement. Il y a un petit geste qui fait un petit peu peur aux gens parfois, mais en tout cas, tous les gens, souvent les femmes ou les hommes d'ailleurs, les gens qui font du crochet, on part avec une petite longueur d'avance. Parce qu'ils ont compris le principe quand même de juste faire une maille au crochet. Et là, bien sûr, il y a des choses qui se rajoutent. J'ai mes matières, j'ai mon tissu. Mais en fait, le fonctionnement de base, ça reste un crochet. C'est un crochet, il est tout petit, on ne le voit pas forcément, mais on est sur une petite pointe de crochet. Et le mouvement que je fais, c'est pour créer une chaînette, un petit peu comme quand on crochète. Donc les gens qui crochètent ont souvent à l'avantage, ils peuvent capter la technique. Des fois, j'ai des gens vraiment en une après-midi qui arrivaient à me poser des perles et des paillettes et faire des lignes. Ils avaient tout de suite. Il y a des gens qui auront besoin d'un peu plus de temps, mais ce n'est pas forcément difficile en fait. Il y a des gens qui vont avoir des révélations assez vite. S'ils sont un petit peu manuels, une bonne coordination et capables de faire du crochet, notamment, ils pourront aller très vite. Oui, bien. Perles ou la paillette, vous la placez entre vos deux chaînettes. En fait, vous faites une chaînette
vous faites passer avec le fil la perle. Et après, vous faites une deuxième chaînette, c'est ça? En fait, je ne passe pas dans mon crochet, je ne passe pas dans la perle. Vous ne passez pas dans la perle. Vous faites d'abord votre chaînette, voilà, vous faites passer la perle. Voilà, elle passe juste, elle est accrochée par le fil. Par le donc fil. Elle tient entre et après, les vous faites deux. Votre deuxième chaînette, ouais, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, si je vais très lentement, là, je ne sais pas si on voit bien. Je ne passe jamais avec mon crochet dans le trou de la perle. Ouais, parce que ce qui est génial avec cette technique, c'est que ça permet notamment, des fois on trouve des perles vintage, mais pas que, mais il y en a des modernes aussi, mais absolument minuscules, qui sont d'une finesse. On ne peut même pas les broder à l'aiguille, en fait, parce qu'on ne peut pas passer de matière. La seule matière qui va passer, c'est le petit fil vintage qu'on va trouver, qui est dans la perle. Et moi, on va quand même réussir à les passer sur notre bobine. Et vu que je ne la transperce jamais avec mon crochet, je peux la broder parce qu'en fait, s'il y a juste le fil qui passe dedans, il n'y a aucune aiguille, aucun crochet qui passe et ça permet de broder des matières d'une finesse, des fois une délicatesse qui serait impossible d'avoir à l'aiguille. Donc, mais oui, c'est tout à fait ça. En fait, je ne passe pas dans la matière, c'est juste le fil qui la maintient entre deux points. Exactement. Bonjour, je voulais savoir au-delà du point de chaînette, est-ce qu'il y a d'autres points possibles avec le crochet de Lunéville? Alors, en fait, vraiment la chaînette, c'est la base. Il y a des points qui sont une variation de chaînette. Vu qu'on est quand même un crochet, en fait, le point de base, ça sera toujours quand même un principe de chaînette. Il y a des points qui s'appellent le point tiré, par exemple, qui est une variation de la chaînette. On va revenir en arrière, qui va permettre notamment le point tiré. J'en parle beaucoup dans le deuxième cours. Ça va permettre de poser les choses un petit peu en parallèle. Quand on a ces tubes là, ces perles longues, ça va permettre de faire tout ce genre de pose. Donc mais en fait, c'est une variation de la chaînette. C'est pas non plus complètement différent parce que ce mouvement de chaînette, c'est toujours le même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit effort au début. Il y a un petit coup de main à prendre. Mais en fait, une fois qu'on a eu cette révélation, remontrer parce qu'on voit bien à l'écran. Voilà, le temps. Voilà, c'est pour faire ça. Ça, c'est le point tiré. Donc vraiment, quand on a eu cette révélation de comprendre le mouvement du crochet pour sortir son crochet et de faire cette chaînette, tout le reste coule de source un petit peu. Parce qu'une fois qu'on a capté cette chaînette, c'est comme si on avait appris à lire, quoi, et que du coup, après, on pouvait comprendre tous les mots, quoi. Il y a un côté comme ça de bah, « ça y est, j'ai appris et maintenant, je vais me perfectionner, je vais faire des choses un petit peu plus compliquées ». Mais une fois qu'on a le mouvement de base, c'est comme si on savait écrire, en fait. Après, on peut écrire tous les mots qu'on veut. Donc c'est quand même toujours une base de chaînette, mais avec plein de petites variations subtiles qui va permettre de les poser de mille et une façons différentes. J'ai vu quelqu'un qui a quelques questions. Est-ce qu'il y a encore des questions qui nous viennent du public? J'ai l'impression que non. Est-ce que tu voulais montrer d'autres choses ou quelque chose de bien spécifique ou Marie-Laure? Qu'est-ce que je pourrais montrer? Je pourrais peut-être montrer un petit peu de point tiré, par exemple. Parce que je n'ai pas grand-chose comme tube, mais je vais montrer un petit peu quand même. Bon, ce n'est pas les tubes. En général, le point tiré, je préfère les faire avec des tubes un petit peu plus réguliers. Ceux-là ne sont pas idéaux, mais ça va aller quand même. Des fils très très courts à chaque fois. Je sais pas ce que j'ai fait. Si tu veux, je me fais des petits challenges. Non, mais en fait, c'est que j'ai plus beaucoup d'ongles en ce moment. J'ai pas l'habitude. Voilà. Faut ce paquet forcément. Il y a quand même un ongle, je dis, auquel il faut prendre soin. Quand on est brodeuse, on a quand même besoin de. Si on est droitière, on a besoin d'un petit peu d'ongle au pouce gauche. Si on est droitière, on a besoin d'un petit peu d'ongle au pouce droit. C'est pour séparer les paillettes et les perles. Donc c'est l'ongle un petit peu. Des fois, quand je le casse, j'ai des moments de désespoir parce que je me dis mais je ne vais pas m'en sortir. Et je me sens handicapée quand il me manque mon petit ongle. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais il en faut un petit peu quand même. Donc quand ça se casse vraiment tout court, on est un peu mal. Alors le point tiré dont je parlais, hop, ça va consister en fait à mettre les paillettes. En fait, sur un point qu'on vient tirer, on vient les poser au retour. Allez, là, c'est des tubes. C'est souvent un point qu'on utilise pour les tubes, qui sont ces perles allongées. Donc, c'est là, vraiment, c'est pas les plus régulières. On va pas avoir le plus joli rendu. Mais le principe, donc, c'est un point qui s'effectue en deux temps. Donc, voilà, qui est un des points complexes que j'aborde dans le deuxième cours. Et donc, qui est un petit peu plus long à faire, forcément, parce que là, je fais deux points, enfin, même trois points pour chaque perle. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à l'écran que ma petite échelle de tube qui commence on voit très très bien. Qui commence à se former.
Donc voilà, ça c'est encore un autre serrage un petit peu auquel s'habituer. Et d'ailleurs, ce que je vais peut-être faire pour finir, c'est que je vais peut-être enlever mes petites affaires et retourner. Les tubes, ils sont dessous, oui. Ils sont enfilés sur ma petite bobine, là, et je les amène par-dessous. Du coup, là, c'est l'endroit de mon vêtement. Et voilà, en fait, c'est le fil que je viens attraper par au-dessus. Si je vais très, très lentement, je refais. Je travaille sur l'envers et la brodie apparaît sur l'endroit, exactement. Oui, bah oui, c'est tout à fait le genre de broderie voilà, qui est utilisé en haute couture. Voilà, donc mes petits tubes, je les monte un par un et je viens les poser. Hop. Et je vais retourner. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en général au début quand on s'entraîne, on retourne assez souvent. Après, on essaie de le faire le moins souvent possible parce que voilà, ça inclut une étape de rangement. Et en plus de déranger toutes ces collègues qui travaillent sur le même métier que nous et qui n'ont pas du tout envie de retourner, elles, parce qu'elles sont sûres de leur truc. Et vraiment, elles retournent à contre-cœur. En général, on retourne avant d'aller manger. Donc, on va travailler toute une matinée et on est là. Bon, on retourne avant d'aller manger quand même pour vérifier qu'on est toutes pareilles. Et hop, avant d'aller manger, on retourne. En général, ça va. On n'a pas trop de mauvaises surprises. On arrive à se mettre à peu près d'accord. Puis en général, il y a toujours un truc qu'on a oublié sur le métier et on va retourner et on entend un truc tomber. On est là, qui a laissé le pompon de perles mal fermé, le fil de paillettes ouvert, la paire de ciseaux, ça porte malheur, voilà. Donc voilà, ça c'est la petite ligne de perles. Donc voilà, on a un serrage, il ne faut jamais trop les serrer non plus, il faut que ça respire un petit peu honte, mais là on sent que c'est quand même bien régulier. Ma ligne de paillettes qui est bien voilà, aussi régulière et on ne voit pas le trou de la paillette. Et ça, c'est voilà, ma petite ligne de tube posée au point tiré, donc qui se viennent se poser côte-côte. Donc c'est, vous voyez, c'est un rendu différent encore de quand on les pose comme ça, juste en ligne tout droit. Donc ça, c'est un exemple des variations qu'on peut faire sur le point de chaînette pour créer un maximum d'effet avec les matières. Et là, en tout cas, avec ces paillettes-là, on le voit bien que oui, même en utilisant une simple... c'est des orientales, ça. Donc, elles sont irisées. Ouais, en faisant un simple type de paillettes et juste une pose, si on travaille avec des matières un petit peu comme ça, irisées, où il y a des variations de couleurs... Il y a pas mal de paillettes comme ça, avec des variations de couleurs. Ça permet de faire des grands fonds de paillettes et qui vont quand même avoir des variations, des chatoiements. Des choses intéressantes à faire, même avec le niveau 1, tout simplement. Oui, oui, non, avec des lignes de paillettes. Il y a déjà plein de choses à faire, ce qu'on voyait bien On peut tout à fait, avec le Nirenk, avec le niveau 1, juste les poses de perles et de paillettes en ligne et les angles, on peut tout à fait faire des motifs simples. Sans commencer à faire des fleurs ou se dire, mon Dieu, c'est hyper compliqué, il me faut 10 000 perles différentes, c'est un budget de dingue. Non, tout de suite. Et puis même, voilà, avec le niveau 1, on apprend à travailler au fil. Donc tout de suite, même au niveau du fil, si on a envie de faire des projets de broderie un petit peu plus rapides, on peut faire des trucs assez sympas au fil. Au fil, j'ai oublié de les rapporter. Ah oui, puis j'avais des petites fleurs, mais des petites fleurs blanches sur leurs grands attraits blancs en dessous, là, non, elles sont pas là. Oui, ça. Voilà, donc je vais les appliquer aussi. Voilà, ça c'est vraiment, en fait, j'ai travaillé avec deux épaisseurs d'organza et je suis venue faire un point qui s'appelle un point riche, qui est encore une variation de la chaînette un petit peu en zigzag. Et là, ça m'a permis de faire un petit zigzag, mais au crochet. Donc je peux être beaucoup plus fine et régulière qu'à la machine à coudre. Et après, je suis venue découper à ras. La deuxième épaisseur d'organza pour faire juste cet effet. Mais ça pourrait être... Là, j'ai mis les deux fois le même tissu, mais j'aurais pu venir appliquer un autre tissu pour avoir des choses beaucoup plus contrastées, en fait. Mais ça permet aussi au fil de faire ça, de faire un petit point d'appliquer zigzag, mais très fin et très maîtrisé parce que c'est fait à la main, mais qui a quand même de la régularité presque d'un ouvrage fait à la machine, voilà, pour avoir des petits effets assez sympas comme ça, avec très peu de matière. Voilà. Donc, j'imagine bien sur une blouse ou un. Tout à fait, oui, non, sur ça une vraiment. Encolure, comme ça, puis après, on pourrait venir rehausser avec juste de la chaînette, une petite chaînette très fine au fil. On peut faire des trucs voilà, tout à fait portables, d'un entretien et tu facile. Tu disais aussi que c'était plus rapide que de la broderie à l'aiguille. Oui. Sur une chaînette à l'aiguille et une chaînette au crochet. Non seulement elle est plus jolie parce qu'on peut la faire beaucoup plus fine et plus régulière, mais elle va être aussi faite beaucoup plus rapidement. On peut même faire des remplissages. En fait, on peut tout à fait avoir des motifs comme aux broderies à l'aiguille qu'on va remplir
entièrement. Donc en général, moi, je fais toujours le contour extérieur. Puis après, je viens remplir avec ma chaînette jusqu'à avoir rempli complètement le motif. Et ça fait un aspect de broderie. Les gens pensent que c'est fait à l'aiguille, alors que voilà, c'est fait au crochet. Et c'est donc plus régulier. Voilà. Donc si on ne veut pas se lancer tout de suite dans une robe de princesse qui brille de mille feux, on peut aussi faire des choses très délicates, juste en fil ou en tissu. Et ça, avec juste en plus le cours de niveau 1, vraiment, il y a toutes les infos pour le faire. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laure pour cette démonstration. Merci à vous d'être venue. On te retrouve sur le stand D045, le stand artisane. Si vous avez des questions encore ou des choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Je suis là encore demain toute la journée. On retrouve aussi de quoi faire réaliser les trois broches. Alors, pas au crochet, mais à la broderie, à l'aiguille. À l'aiguille, voilà. Mais avec vraiment typiquement les matières utilisé aussi en broderie Lunéville de perles. Et on vous retrouve évidemment jusqu'à la fin du salon Création et Savoir-Faire, jusqu'à dimanche soir. Exactement. Merci à tous. Au revoir. Et bonne suite. Bonne fin d'après-midi. Merci. Avec plaisir. Bonjour, je suis Marie-Laure, votre professeure de broderie sur Artesane. Dans ce nouveau cours vidéo, je vais vous dévoiler les secrets d'une technique haute couture de broderie méconnue du grand public, le crochet de Lunéville. Je vous présenterai d'abord tout le matériel nécessaire pour réaliser votre broderie. Vous apprendrez ensuite à le manier pour poser une multitude de perles et paillettes. À la fin de ce cours, vous serez capable de réaliser des broderies luxueuses et scintillantes. À vous les ouvrages audacieux et somptueux. Je vous dis à très vite sur artesane.com pour maîtriser toutes les techniques de la broderie haute couture. Bonjour, je suis Marie-Laure, votre professeure de broderie haute couture chez Artesane. Dans ce second cours sur la broderie de Lunéville, vous apprendrez à être créative sur vos ouvrages en apportant différentes matières, textures, brillances et même du volume à vos broderies. Vous pourrez perfectionner votre pratique et vos connaissances de la broderie perlée de Lunéville. Remplir une forme en paillettes en spirale ou en ligne, travailler les découpes et les appliquer, pratiquer la pose d'enfilage, de perles fantaisie, de paillettes en écailles, de barrettes ou encore combiner perles et paillettes. Grâce à ce cours, vous pourrez apprendre de nombreuses techniques utilisées pour réaliser les robes des défilés et donner encore plus de vie à vos projets haute couture. Ce cours est disponible en illimité, où vous le voulez et quand vous le souhaitez. Alors je vous dis à très vite sur artesane.com.